Alors, ici, je vais vous présenter un praxinoscope théâtre. C'est un jouet optique qui a été inventé par Émile Renault en 1876 dans une petite ville du centre de la France qui s'appelle Puy-en-Velay et a été breveté en 1877 et a gagné la mention honorable à l'Exposition universelle de Paris en 1878. On est donc 17 ans avant l'invention du cinématographe par les frères Lumière. Alors, ici, je vous présente une version, disons, améliorée du praxinoscope normal. Ici, c'est une théâtre parce qu'il est présenté dans une boîte, dans un joli coffret, vous voyez, à cajou. Et il permet d'avoir une vision, ben, comme dans un théâtre à l'époque. Alors, je vais vous montrer, je vais l'installer devant vous. Là, vous allez voir, c'est un petit peu, il faut que ce soit un peu délicat. Alors, contrairement au phénaticoscope de 1833 de Joseph Plateau, où il y avait un effet de vision à travers un miroir sur des fentes, ici, le praxinoscope, en fait, c'est plutôt l'effet. Les miroirs sont directement sur le cylindre ici et que l'on place comme ça. Et les vues ici, laquelle on peut prendre, celle-ci a un beau dessin. Donc, vous voyez, il y a un choix d'une douzaine de vues, je pense. Ils vont à l'intérieur du cylindre. Et quand on voit, quand on regarde déjà là, vous voyez, si je fais tourner le parce que je ne sais pas si on voit, si je fais tourner, vous voyez, si vous voyez là, attendez, je vous le mets comme ça, de façon à ce que vous ayez une vue comme ça, donc vous voyez l'effet du mouvement, tout ça. Donc, le côté théâtre, c'est le fait qu'on met ici cette planche, ici en travers. Donc, on a la vision là. Ici, c'est là. Voilà, ici. Et si on fait une... Attendez, je ne sais pas. Je pense ici. La bougie, ça, c'est pour une présentation nocturne. Ici. Alors celui-ci est complètement original parce que 95 ou 99% de tout ce que vous voyez sur le marché sont des copies. Donc ici, le parapluie est un original de 1878. Ici, bon. Je pense que je me suis légèrement trompé. Ça, ça va là, ça, ça va là. Voilà, ici. Voilà, ça va comme ça. Comme ça. Là, vous ne voyez pas, je vais vous mettre comme ça ici. Comme ça ici. Et le parapluie, le chapeau, en fait, va là. Comme ça. Alors, ça, c'était. Il y avait un éclairage à la bougie qui donnait. Une espèce de lumière ici en dessous. Je vous avoue que je ne l'ai jamais fait fonctionner avec une bougie pour voir. I never try it with a candle to see the exact effect. So here, so we can make, can install one of those view. But even, I don't know exactly, it can change the background here. In doing, because it's with a mirror, for example, here, with a mirror, is reflecting and you should see it. But I'm not sure if it's working. But I will just check myself. I can see it. Yeah. If someone, I don't know if you can see it, because if you have to look through this window, and. You don't need to come, you have the reaction. Encore, encore.
C'est deux tours secondes, hein. C'est comme pour la... Et alors normalement, vous avez, vous voyez, le petit théâtre. Oui. Mais il y a une partie de la démonstration qui n'est pas complète, parce que je vous dis, il y a ce miroir et... Non, mais on voit le mouvement. Ben, c'est sûr que ça, c'est pas du. Vous n'avez pas une expérience. Voilà. Il faut comprendre qu'on est en 1878. Bon, François, il faut passer déjà parce qu'on va être très en retard. D'accord. Alors, écoutez, on m'avait accordé 10 minutes. Je ne sais pas si. Je vais tourner le. D'accord. Voilà. Attends. J'ai mon assistant qui met. Là, à côté, on peut changer de, tiens, on peut changer de décor. Alors, hop, voilà. On change de film. Vous voyez, c'est plus rapide que pour le cinéma. Hein. Et hop, ça y est, continue. Peut-être, regardez, filmer. Regarde, filmer ici. Venez-vous bien voir ici. On filmera après. Tenez. Voilà, on se rapproche. François, on filmera après. Il y a l'effet du miroir que j'ai installé. On n'a pas le temps. D'accord. Bon, alors, c'est parfait. Comment se croirait la communion ? Ouais. Tout le monde a passé. Au suivant. Le suivant des suivants. Tous les suivants. Bon, c'est bon. On va le mettre de côté François sur la table. On va commencer parce qu'on va être très mais non, mais c'est ce qu'il m'avait donné 10 minutes. Ah, tu ne l'as pas vu. Non, c'est tout. Ah, pardon.